on est ravi de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi ? Parce que le ciel est dégagé, parce que la pelouse a été bichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Bref, tout est en place ici et on n'attend plus que les 22 acteurs pour débuter la rencontre. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et on rentre dans le vif du sujet. En retrait pour repartir proprement. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Ça joue à gauche. Pour trouver la faille dans la défense. Un grand dégagement le plus loin possible. Et la touche maintenant. Un long ballon vers l'avant. C'est un ballon offert à l'adversaire. C'est joué long, attention. Il tente de la jouer dans l'espace. Mahrez est bien placé dans la surface. Quelle occasion, attention! Un peu d'oxygène pour sa défense. Il y aura donc touche. Oh, quelle frappe! Oh, c'est loin du cadre! Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Ça joue à gauche. Et ils tombent sous la pression. Ils obtiennent un coup franc. Avec Iwobi. Dans la profondeur. Danger repoussé pour le moment. La défense bien présente. Il écarte sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est le moment de centrer. Il allonge vers l'avant. La passe dans la profondeur. L'interception au bon moment. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Il joue dans l'espace. Moses. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il est en bonne position pour centrer. Façon la frappe. Et il continue de progresser. Il glisse le ballon en profondeur. Il est bien placé. Ça peut faire mal. L'ouverture du score. Il était bien placé, c'est la passe qui fait toute la différence. Et ça fait donc 1-0. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer, c'est un véritable maître d'œuvre. Bonne intervention, c'est récupéré. Ali, il allonge. Didi. La passe dans la profondeur. Il combine parfaitement. Ce ballon devant le but. Le bon dégagement. Il décide d'allonger le jeu.
Voilà une bonne occasion de contre. Et ce ballon vers ses attaquants. C'est dégagé. Mandy. L'Algérie qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Et il poursuit son accélération. Quelle frappe! Oh, c'est un arrêt important ça! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Brahimi. Mahrez. Ça ne passe pas. L'Algérie qui récupère ce ballon. Voici Mahrez. Oh, le duel. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et le jeu a déjà repris dans cette seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Long ballon dans le sens du jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Ndidi avec Iwobi. Faut que ça va partir vite. Igalo qui choisit le côté gauche. C'est joué long. Mahrez qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. C'est joué long. Allez jusqu'au bout. Oh oui. Maintenant, il avance de 2 buts. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Et le doublé. C'est reparti sur ce score de 2-0. Ce but change quand même beaucoup de choses. À 2-0, on est quand même plus tranquille. Il choisit la profondeur. Cousin ! Mikel ! Le Nigeria qui cherche l'ouverture. Il n'hésite pas à participer à l'effort défensif. Pour un attaquant, c'est bien. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Le bon dribble. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. L'ouverture lumineuse. Oui, oui, il était hors jeu. Ça joue à gauche. Non, là, ça ne passera pas. Avantage défense. Mahrez. Ah, et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Oh, le tac
tacle superbe. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. C'est bien donné. Il relance côté droit. Mikel. S'il le trouve. Pour trouver la faille dans la défense. Mahrez. Il y a danger. Oh, le bon ballon. Il rejoue derrière lui. Énorme occasion. Bien repoussé par le gardien. C'est un super arrêt. Fine save. Moussa. Le Nigeria qui peut avancer. Allez. Mauvaise intervention, faute là-dessus. C'est repoussé par la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Il va au duel. Dans la surface. Ouf, un peu d'air. Mais c'est directement récupéré. Oh, voici Moussa. Mikel, le ballon dans la profondeur. Pas de faute. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Les duels s'enchaînent. Personne. Ça joue long vers l'avant avec Moussa. Ce contre peut très bien aller au bout. Joli travail à deux. Il allonge. Un peu d'oxygène pour sa défense. Quelle détente! Ça s'est joué à rien. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. C'est parfait, magnifique. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il va provoquer. Superbe tacle, il y avait danger. Mais la victoire est vraiment méritée parce qu'ils avaient plus envie, parce qu'ils ont fait les bons choix et surtout parce qu'ils ont plus de talent. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? Lorsqu'on est solide derrière, qu'on ne prend pas de but,